le début de préparation, comme beaucoup de préparations, il y a quelques aléas, notamment le fait que Dwight, pour l'instant, soit bloqué aux États-Unis, comme pas mal de joueurs américains de la Jeep Elite. Et puis, quelques petits soucis. On a Isaiah Cordinier qui a été un petit peu freiné par une petite blessure, mais sans importance. Donc, on essaye de travailler avec les joueurs qui sont arrivés un peu plus tard, comme Chris, Brian et puis Tyler. Et puis, de faire en sorte qu'il y ait un collectif. Donc, comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs, puisqu'on a juste Damien et puis Isaiah qui sont restés, bah, comme d'habitude, il faut recréer un collectif, recréer des habitudes de travail. Donc on voit que les entraînements sont de qualité, il y a de l'écoute. Et puis après, par rapport au match qui vient de se disputer contre Chalon-Reims, bah, on voit qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'entre ce qu'on voit aux entraînements et ce qui se passe sur le terrain, il y a toujours une grosse différence, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc sur le match de cet après-midi, déjà une entame de match un peu poussive, même très poussive, puisqu'on a encaissé beaucoup de points, notamment au début de match. Le premier carton, on a manqué d'intensité. Bon, je pense que c'est dû à un manque de repères aussi. Au fil du match, on a réussi à être un petit peu mieux. On a pu mesurer encore tous les progrès qu'on doit effectuer dans le jeu. Ce qu'il faut noter dans les performances un petit peu que j'ai trouvé intéressantes, c'est la très bonne prestation de Lucas Dussoulier, qui a fait un très bon match, et puis surtout le bon match aussi de Victor. L'objectif pendant ces matchs de pré-saison, c'est de faire en sorte qu'il puisse avoir du temps de jeu. Ce soir, il a joué 21 minutes. Donc voilà, au-delà du projet collectif qu'on essaie de se mettre en place, c'est vrai que ça a été intéressant de voir un petit peu ce qu'il était capable de proposer. Et puis encore une fois, beaucoup de travail encore à effectuer. Par rapport à l'effectif ce soir, Damien a pris un choc là, qui a une grosse bosse. Donc il n'était pas question qu'il joue, parce qu'il a eu quelques maux de tête. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas disputé la suite du match. Donc on était un petit peu réduit en termes de dans le secteur extérieur. Mais Chalon-Reims, il leur manque beaucoup de joueurs aussi. Donc c'est pas nous qui allons pleurnicher par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les aléas d'une préparation. Mais je pense que Damien sera vite sur pied après ce petit chaos qu'il a subi. Par rapport à la préparation, compte tenu de tout ce qui s'est passé, on est à peu près dans les clous. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un groupe très jeune, avec des joueurs qui ont besoin d'avoir des automatismes et des habitudes. Donc individuellement et collectivement, on doit faire en sorte que ces joueurs soient au niveau. Donc c'est ce que je viens de leur dire dans le vestiaire. Donc dès samedi, on aura un match très intéressant où je pense qu'on pourra tirer encore plus d'enseignements, puisqu'on va jouer métropolitains qui sont complets, qui ont une grosse équipe. Donc on va voir ce qu'on est capable de proposer avec une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de qualité. Donc ça va être un challenge intéressant, mais avec l'expérience au fil des années, il ne faut jamais s'enflammer par rapport à un match de préparation qui pourrait être abouti, ce qui n'a pas été notre cas ce soir, et ne pas non plus être au fond du trou si jamais sur un ou deux matchs on passe à travers. C'est ce que aussi je viens d'expliquer aux joueurs. C'est-à-dire que la préparation passe par des hauts et des bas. Et quelque part, c'est bien d'avoir ces hauts et ces bas, parce que ça, les bas aussi montrent le travail qu'on a encore à faire pour ne pas entamer le championnat avec trop de certitudes.